Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Bon, je suis rentrée des cours, faites pas gaffe à ma coiffure, c'est un truc que j'ai fait vite fait. Non, je suis ultra fatiguée là, franchement. Et puis je suis en train de sortir Nuki. Nuki! Bon, comme tous les jours, il essaie d'attraper mon lapin qui court deux fois plus vite que lui. Vraiment, il est adorable. Non, non, non! Bon, il fait vraiment un temps de merde. Clairement, les gars, si vous voulez partir en vacances à Noël, ne venez pas en Normandie. Bon, je me suis dit que j'allais vous montrer. En fait, hier, j'ai pas fait de vlog parce que j'avais beaucoup de devoirs et il y avait plein de trucs qui m'avaient saoulé dans ma journée. Et donc, j'avais juste une envie, c'est de dormir. Donc, je vais vous montrer juste les hugs que j'ai reçus. Alors, pour la petite histoire, comme je vous avais dit dans mon haul, j'en avais commandé à 60€ sur un site et au final, je les ai jamais reçus. Et en fait, elles sont bloquées à la douane donc depuis des mois, enfin non, depuis un mois presque. Donc, je sais jamais quand je savais pas quand j'allais les recevoir. Et donc avant que je sache qu'elles étaient bloquées à la douane, je me suis dit bon bah c'est une arnaque, donc je me suis dit je vais en acheter sur Vinted à 40€, j'en ai trouvé. Je me suis dit bah ça, enfin j'avais vraiment envie d'en avoir, j'avais ultra mal aux pieds et tout. Donc je les commande, je les paye 40€ plus la livraison, plus les frais Vinted, donc en gros j'en ai pour 45. Je les reçois et là... En gros je vous les montre, genre elles sont totalement défoncées, sur la photo elles étaient pas du tout comme ça. En soi elles sont portables hein. Portées ça va, mais franchement même elles sentent le vieux, enfin l'odeur ça va, mais c'est vraiment genre elles sont ultra en mauvais état et tout. Et je vais vous montrer les autres. Voilà, ça vaut clairement pas 40€ pour moi, et surtout enfin c'était marqué satisfaisant, pour moi l'état est pas satisfaisant. Donc j'ai envoyé un mail à Avant 2, ce qui en soi était un minimum compréhensif, c'est-à-dire qu'elle a annulé la commande. Sauf que bah comme je suis honnête, je dois lui renvoyer, donc ça me fait encore 5€ de mon frais, enfin de ma poche. Donc super, je paye 10€ pour un truc que j'ai pas. Donc je vous conseillais Vinted il y a pas longtemps, mais en fait je vous conseille clairement pas Vinted, parce que en fait si l'article te correspond pas, dans tous les cas, même si c'est la vendeuse qui a menti et tout, si tu veux leur renvoyer à la vendeuse, faut payer des frais de port. Donc dans tous les cas, ça tes frais. Donc clairement, mauvais point pour Vinted et mauvais point encore une fois pour mes chaussures. Je vais les renvoyer, sauf que j'ai essayé de les renvoyer avec mon dial relais et la meuf elle me dit qu'elle a pas reçu une mail. Enfin c'est bizarre franchement. Bon, demain j'ai un contrôle d'histoire. Clairement il faut que je réalise. Après il faut que j'aille à la salle. Je suis pas prête. J'ai pas du tout envie. Pour ceux que ça intéresse, mon col roulé, bon il est pas bien plié, mais il vient de chez Ralph Lauren. Bon c'est un super vieux. Mais je sais pas si la qualité est toujours pareille, mais franchement il est de qualité ouf. Je le lave tout le temps, il date de mon parrain. Il est ultra chaud, donc si vous cherchez des bons cols roulés, allez voir chez Ralph Lauren. Je crois qu'il y a un peu de musique s'impose parce que là je suis clairement au bout de ma vie. Allô ? Quoi ? Bon, je vais partir à la salle et j'ai mis mon petit pull Marvel. Ce pull, je le mettais tout le temps l'année dernière vraiment. J'ai un peu arrêté de le mettre, je sais pas trop, mais je suis plus trop dans ce délire là, genre sweat et tout. En ce moment surtout, donc avec le nouveau manteau que je me suis acheté, il me rappelle tellement des souvenirs, parce que cet été quand je sortais sur la plage tous les soirs là, c'était trop cool. Et donc en Ardèche, et je portais toujours ce pull là, donc ça me rappelle trop ces souvenirs là. Et... Voilà, c'était juste une petite pensée du moment, donc je vais à la salle, donc on se retrouve après. Je vous retrouve là, j'ai mangé, je me suis lavé les dents. Non, je me suis pas lavé les dents, qu'est-ce que je raconte, je me suis lavé. Enfin bref, je crois que je vais vous laisser, même si ce vlog était vraiment court. Je suis vraiment en train de paniquer pour mon contrôle d'histoire. Voilà, en plus ça me stresse de pas arriver à renvoyer mes hugs là. Enfin, je sais pas, je... Ouais, bon.
Bref, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me dire en commentaire ce que vous pensez. Vraiment, je sais qu'il y a plein de gens qui regardent mes vlogs mais qui mettent jamais de j'aime ou quoi. Donc bah, n'hésitez pas à me dire quoi, ça me fera toujours plaisir. Et même si vous voulez pas aimer, commentez. Si vous voulez pas commenter, aimez. Si vous voulez faire aucun des deux, abonnez-vous. Enfin bref les gars, je vous dis bonne nuit. J'espère que tout se passe bien chez vous et bye.